Merci Dieu, shérif, que cette fois-ci, ça ne me disait rien de te tuer. Je prendrai seulement les 500 000 dollars que tu devais mener à bon port. Ça ne suffit pas pour me convaincre de la culpabilité de cet homme. Et la mort de mon frère, vous en êtes convaincu, monsieur le juge? Personne ne t'a donné la parole, Hooper. Je veux la vérité, Donovan. La vérité, il n'y en a qu'une. C'est que 500 000 dollars en or excite toujours la convoitise. C'est aussi ce que notre shérif a dû penser en mettant la main sur cet argent, qui était celui d'une cité tout entière. Une somme considérable, qui, selon ses dires, aurait bien sûr été dérobée par une bande de hors-la-loi. En réalité, si ces hors-la-loi existent, ils ont simplement aidé Dakota à abattre les 5 hommes de l'escorte. Des hommes qui ne pouvaient nullement s'attendre à ce que lui ait des intentions aussi criminelles. Et puis, il vient ensuite nous raconter que des bandits ont assailli la diligence. Pensez donc. Des bandits qui auraient tué les hommes de l'escorte et, par contre, laissé vivant le shérif, simplement pour ses beaux yeux. Objectivement, je dois dire que ces 500 000 dollars ont pu, hélas, corrompre aussi la conscience d'un shérif. Monsieur Donovan, le shérif a escorté bien des fois des sommes aussi extraordinaires, parmi lesquelles se trouvait aussi votre argent. J'ai l'impression qu'elles sont toutes arrivées à leur destination. Certes, et ceci prouve bien que mon affirmation est bonne. Il lui fallait gagner notre confiance. Je vous répète que je ne peux pas croire à votre interprétation de cette histoire. Et ceci parce que moi aussi j'ai été attaqué. Les accusations contre le shérif sont le fruit de toute votre imagination. Car enfin, monsieur Donovan, est-ce que vous avez apporté une seule preuve contre lui? Une preuve? Si je vous affirme que mon impression a toujours été que le shérif... Ces impressions ne peuvent nous intéresser en la circonstance, monsieur Donovan. Concluez donc assez vite. J'en termine, votre honneur. Il me semblait que l'examen des faits aurait alors permis à la cour de juger le tout à la lumière de la vraie personnalité de cet homme, le shérif Dakota. Cet homme que nous avons cru un honnête et courageux représentant de la loi, et qui, en réalité, s'est révélé être le pire des bandits. Cet homme qui a trahi toute notre confiance. Et c'est pourquoi qu'il est agi, lui seul, ou peut-être avec l'aide d'une bande d'assassins, est une chose d'aucune importance. Car la seule chose qui compte, c'est que nos dollars, les vôtres et les miens, lui aient permis sans hésitation d'assassiner de sang-froid tous les hommes de l'escorte. Et des actes de cette sorte ne méritent aucune pitié. Il faut croire. Ces crimes, mon Dieu, ne doivent pas rester impunis. Monsieur Donovan, vous qui pensez tout savoir, expliquez-nous la raison pour laquelle le shérif, après avoir commis ce vol et 5 meurtres, pourquoi sera-t-il retourné à Tombstone, hein? Parce qu'il était persuadé de convaincre le peuple de son histoire. Et quel meilleur alibi que ce retour au pays pour un homme insoupçonnable. Il espérait que nous le plaindrions après s'être présenté à nous comme victime. Silence, la foule! J'ai dit silence! Le shérif est en train de jouer sa tête, je crois. Non, aucune preuve n'est contre sa personne. Mais l'accusation de Donovan est sans pitié. J'ai peur qu'il n'arrive à ses fins. C'est-à-dire à tous les convaincre. Il ne reste qu'une seule chose à faire. Pars et tu avertiras immédiatement Slim. Et comment? Va à Paso Bravo et tu trouveras sa mère. Elle saura certainement où il se trouve. Mmh. Il faut le ramener le plus rapidement. Taisez-vous! 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 Ou je vous fais mettre à la porte! Et vous, shérif, n'avez-vous rien à dire qui puisse vous disculper?
tout le monde se lève. Au nom du peuple de l'État d'Arizona, cette cour déclare Joe Russell, dit Dakota, shérif de Tombstone, coupable du meurtre de 5 hommes, exécutés dans le but de voler. Et le larcin a été réalisé avec l'assistance, c'est-à-dire la complicité, de personnes inconnues à ce tribunal. Et pour tout cela, la condamnation à mort est prononcée. Mais le dit tribunal a décidé de commuer cette condamnation à mort en une peine de 15 ans de travaux forcés. Comme tu vois, Jeanne, j'ai bien tenu mes promesses, j'ai fait comme tu le voulais. La vie du shérif a été épargnée. Je n'ai qu'une seule parole. Mais tu as réussi aussi, hélas, à ce qu'il soit condamné à mort, à cause de tes accusations. Je vais te dire quelque chose. Le juge Attlee ne laisse jamais condamner effectivement sans preuve concrète. Il était dur, car il doit payer sa tête à juste prix. C'est une de tes dettes que je fais payer pour toi. Maintenant, il ne nous doit plus rien que 15 ans. Alors il te faut tenir ta promesse. Je donnerai une fête en l'honneur du nouveau gouverneur et j'annoncerai à tous notre prochain mariage. Sommes-nous d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Donovan, une visite des plus importantes. Un moment. Si tu veux bien m'excuser. Nous reparlerons de ça après dîner, si tu le veux. Excuse-moi, mais maintenant, j'ai un travail urgent à faire. Tu as fait du bon travail, Alvarez. Tu es un exécutant parfait. Comme tu vois, les coups que j'organise réussissent toujours bien. Et ils nous laissent en plus de ça des milliers de très jolis dollars or. L'assaut de la diligence a rapporté 500 000 dollars, Alvarez. Et nous nous sommes emparés aussi, au même moment, des économies de ces vachers et de nos propres dollars. Il y a aussi la certitude que nous aurons une tranquillité parfaite. Puisque nous sommes débarrassés de Dakota, pour 15 ans. Pour moi, ça a été un très gros sacrifice de ne pas avoir pu le truffer avec du plan. C'est un ordre que j'ai exécuté à contre-cœur, monsieur Donovan. C'est un ordre que moi aussi, j'ai eu du mal à te donner. Mais en son temps, Dakota a sauvé la vie de Jeanne. Maintenant, nous sommes quittés. Ouais, je comprends ça. Est-ce que tu sais que j'ai eu de grosses pertes? Je sais. Mais j'ai repeuplé des troupeaux déjà. À l'ouest, c'est plein de desperados et de braves à court d'argent. Et Alvarez, lui, traite bien tous ses hommes. Je suis toujours prêt à répondre vite à vos demandes. Mais demandez-le vite, parce que tous ces dollars sont pour les mères et les veuves de mes tués. Mais je les embaucherai, même s'ils sont célibataires. Et fils de... À bientôt.
charogne de shérif. Est-ce que tu te rappelles de moi? Ça fait 5 ans que je crache le sang à cause de toi. Tu te rappelles de moi? Jackson. Ouais, parfaitement. Et jamais un jour je n'aurais imaginé t'avoir pour compagnon ici. Aujourd'hui, c'est une grande fête pour moi. Bâtard, hein? Nous avons un shérif parmi nous. J'ai bien choisi ton endroit. Mais n'aie pas peur de tout cela, shérif. C'est de moi que je te conseille d'avoir peur, tu sais. Il y a des années que je veux t'apprendre à vivre. Tu veux un coup de main, Jackson? Hein? C'est une affaire que je désire finir tout seul. D'accord. Alors voyons un peu lequel des deux est le plus brave. Je lui ferai avaler ses boyaux à ce sale porc. Ça suffit. Retournez à votre travail. Et vite! Thank you.
Basta. Je veux sortir! Je veux sortir d'ici, je vous en prie! Faites-moi sortir, je veux sortir! 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 Non. Je voudrais sortir! Je deviens fou, moi, entre ces quatre murs! Faites-moi sortir! Mais faites-moi sortir, mon Dieu, ou je me suicide! Ah, je veux sortir, vous avez compris? Je vais me suicider, moi! Je veux sortir! Je vais me tuer! Qu'est-ce qu'il y a? Et de vous souligner particulièrement ce paragraphe. Alors? Il paraît qu'il est d'une importance capitale. Mm-hmm. Et ces messieurs vous demandent d'agir vite. Mm. Téléphone. Le gouverneur, généralement, n'accorde aucune grâce, mais cette fois, il a dû faire une exception. Sur ce territoire, il faut faire montre de rigueur. Mais pourtant, il est nécessaire de ne commettre aucune erreur. Et bien sûr, d'autant plus qu'est en jeu le prestige des responsables de la loi. Laissez. Attendez encore. Ciao, petit frère. Comment ça va? Vous êtes libre, Dakota. Le nouveau gouverneur a accordé la demande présentée par Slim, votre jeune frère, et a décidé la révision de votre procès. En conséquence, et puisqu'il n'existe à votre charge aucune preuve concrète, la sentence du juge Atlee a été cassée, et votre mise en liberté immédiate a été ordonnée. De plus, Dakota, vous êtes un homme de loi. Et en tant que tel, vous n'ignorez pas que la justice des hommes est faillible. Maintenant, vous êtes libre. Et nous espérons que vous continuerez à servir cette justice avec la même conscience qu'auparavant. Une belle performance, Burton. Je pense que vous êtes vraiment le secrétaire qu'il faut au gouverneur. J'ai été payé pour ça, non? Il a dupé aussi le directeur de la prison. Au revoir. Merci. Thank you.
quoi donc? Whisky. Hein? Alvarez. Je suis hôtelier, je pas un espion. N'êtes pas très causant à Santa Cruz. Mais vous l'êtes assez, vous. Vous arrivez d'où? Mais tu t'imagines que nous sommes ici pour donner des informations. Peut-être que tu n'es pas un espion, mais tu ne peux nier que tu es un monsieur très curieux, très effronté aussi. J'aimerais savoir qui nous sommes et d'où nous venons. Entendu. Alors on prend un accord. Je te dirai qui on est si tu me dis où trouver Alvarez. Mais si je peux le faire. Ok. Comme tu vois, il est facile de s'entendre avec nous. Alors, parle. Où le trouver? Je veux que tu nous dises où est Alvarez. Courage. Au village, il y en a plusieurs, Alvarez. Il y a par exemple le barbier, il y a... Ça suffit comme ça. Arrête, Slim. Ce type a plus peur d'Alvarez que de nous. Et puis toi, si tu vois Alvarez, dis-lui que Dakota est à sa recherche. La prochaine fois qu'il viendra ici, appelle le shérif.
Alors, regarde. Ceci est l'immeuble où se trouve la banque. Et toi et tous tes hommes êtes entrés au village par ce chemin. Alvarez ! Va voir. Alvarez ! Hein ? Mais ce connard de chien qui t'a ordonné de venir ici, qui ? Dakota. Qu'est-ce qu'il y a, Dakota ? Tu parles, tu t'hésites, oui ? Dakota est libéré. Lui et son jeune frère. Ils ont déjà tué 5 hommes à nous. Où ça ? À Santa Cruz. Malédiction, Donovan. Nous avons encore et toujours ce minable de shérif sur les reins. Mais comment a-t-il réussi à s'évader de la maison d'arrêt? S'il n'avait tenu qu'à moi à cette heure, il ne resterait plus de lui que des os que mangeraient des coyotes. Mais vous, non, hein? Vous vous êtes laissé attendrir par une femme. Dois-je te rappeler que ça ne regarde que moi, Alvarez? Il ne t'appartient que d'exécuter mes instructions. Je souhaite que tu t'en souviennes. Il me serait désagréable de te remplacer. Pense donc plutôt à te faire surtout obéir par tous tes hommes. Ne renouvelle pas non plus l'autre genre de bêtises faites à Tucson. Imbécile! Il y en a d'autres que Dakota qui te recherchaient. Et alors que faire? Slim. Pour mon fric. Il le faut lui aussi. Et ramène-les-moi tous les deux. C'est d'accord. T'as entendu? Tu as entendu ce que M. Donovan disait? Nous les aurons tous les deux. On pourra venger ainsi rapidement, les amis. Allons-y. Cette fois. Et toi, qu'est-ce que tu fais par ici? Comment se fait-il que ton maître te laisse libre? Oh, je t'en prie, Slim, ne recommence pas. C'est que je suis assez contrarié. Ça va, c'est bon. Passe par là. Descends. Viens voir Dakota. J'ai capturé la plus jolie fille de toute la contrée. Oh, John. Eh bien, si je m'attendais bonjour, à vous retrouver en ces lieux je perdus, savais que je c'est vous gentil ici. D'être là. Ça veut donc dire que la nouvelle de ta fugue est déjà arrivée à Tombstone. Oh, Tombstone, non. Mais à Donovan, ici. Après vos exploits à Santa Cruz... Donovan. Qu'est-ce qu'il y a entre Donovan et Alvarez? Je crois bien qu'ils sont liés. Alors, tous les deux... Peut-être bien un coup. Oui, je comprends tout. Tu le savais, Jeanne? Oui. Je savais aussi pour la diligence. Tu étais aussi au courant de l'attaque du convoi. Tu savais aussi que Dakota... Oui. Et c'est moi qui ai réussi à faire épargner la vie de Dakota. J'avais dit, il m'avait promis de ne pas se servir des armes et tout aurait dû être terminé très rapidement. Qui t'avait promis ça? Donovan.
Et c'est lui qui a organisé l'attaque. Lui à qui tu dois une condamnation à 15 ans de travaux forcés. Attention, Slim! C'est un des hommes de Donovan. Il faut partir, il y a quelqu'un qui arrive. Allez, viens. Malédiction. Ils nous ont entendus. Arrête ici, Slim. J'aimerais savoir d'où ils viennent. Si tu y tiens. Le foyer est encore tiède. Ils ne doivent pas être très loin. Ils sont sûrement dirigés vers la plaine. Enfin, je l'espère tout au moins. En avant! Bien joué. Ils se sont sûrement attardés au refuge. C'est vrai. Allez, partons. Ah. Voyez, une autre fois, elle ne fait surtout pas attendre si longtemps. Mais je ne suis en rien responsable. Ah, d'accord, non, si ça n'avait pas dépendu que de moi. C'est inutile. Et le temps presse. Et je vais aller dormir. Sous ma couverture, il y a la moitié d'une bouteille de tequila. Prends-la, si tu veux. Très volontiers, car j'ai une soif de pendu. Bonne nuit, amigo. Merci.
Imbécile. Je devrais te buter comme un chien. Et le comble, se faire dérober à un sac plein, 120 000 dollars disparus dans la nature. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est... Ça ne veut pas d'excuses. Tu m'as roulé. Il fallait me le laisser descendre dès la première fois. Il n'y aurait pas eu tant d'histoire. Ne cherche pas à te disculper. Tu n'aurais jamais dû laisser le refuge. Ces deux imbéciles. Nous aurons l'air fins si Dakota raconte tout. Nous sommes dans une sale histoire. Allez, va. Retrouve-les par n'importe quel moyen et tue-les tous les deux, immédiatement. Adios. En arrivant à Tucson, tu donneras ça au shérif et puis tu lui diras tout ce que tu sais. Mais cette fois, ce sera à M. Donovan de s'expliquer au procès du meurtre de Alvarez. D'accord, demain dans la journée, on réglera cette affaire. Mais cache-toi, t'es toujours un évadé. Ne fais pas de soucis, je ferai un tour dans la montagne, afin de voir tout ce que mijote ce pourri d'Alvarez. Ne t'avance surtout pas trop près du refuge, parce que s'ils t'aperçoivent... Penses-tu, je prendrai la route par Nogales, afin d'éviter celle de Bessatobès, trop périlleuse. Reste tranquille, laisse-moi faire. Ok, tu as raison. Je voudrais bien savoir une chose, Jeanne. Depuis plusieurs jours, je te vois triste et préoccupée. T'est-il arrivé quelque chose de désagréable? La tristesse n'assied guère à une future épouse. Tu en fais une tête, alors que tu devrais pourtant rayonner de joie. Écoute, écoute-moi, Jeanne. Il y a longtemps que je voulais te dire que l'autre jour, quatre de mes hommes ont disparu. Tu ne sais rien? Je suis persuadé, moi, de la responsabilité de Dakota. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ignore totalement cette histoire. Je n'en suis pas certain, cher ami. Et attention, Jeanne, ton amitié avec Dakota pourrait finir par m'énerver. J'ai par deux fois épargné sa vie, et aussi je ferai connaître quels sont les motifs qui nous ont réunis. Fais en sorte d'éviter que j'y sois obligé. Ceci dit, ma chérie, il faut dès maintenant fixer la date de notre mariage.
m'ont attrapé à la sortie de Tucson. J'ai voulu essayer de les semer par la colline, mais... Ne te fatigue pas, tu es encore très faible. Malgré tout, c'est le shérif qui a le sac. Ne bouge pas. Quand pourrais-je me lever? Dans peu de temps, enfin, du moins, je l'espère. Tu sais, ta blessure... Enfin, elle n'est pas trop profonde. Je serai de retour dans quelques jours. Allez, reste tranquille. Ici, tu as un pistolet et les vivres sont de ce côté. Où vas-tu? Régler cette fois un compte définitif avec cette charogne d'Alvarez. Et ensuite, ce sera le tour de Donovan. Comment ça va, Dakota? Tu es surpris de me voir, hein? Tous des amis, Dakota. Et ils ne te feront aucun mal. Enlève ton ceinturon. Je crois que tu connais la route. Alors accompagne-nous au refuge. Et courageux. Continuez comme ça. Où il a caché le sac. Maintenant, ça suffit, arrêtez.
n'est qu'un minable. Un homme qui a laissé échapper une telle proie est un minable. Il ne mérite nullement la confiance. Je t'avais pourtant ordonné de les descendre. Au lieu de ça, l'autre doit avoir emmené la sacoche à Tucson. Il se rit de nous, de moi, de toi, de nous tous. Oui, c'est exact, monsieur Donovan. Mais le jeune frère de Slim, lui, par contre, a été tué. Et de quoi te vantes-tu? C'est pas une chose très habile, Alvarez. Un jeune garçon. Es-tu certain de l'avoir tué? Quel est, à ton avis, celui qui a libéré Dakota? Il a encaissé une balle directement dans le cœur. Ah oui? Dans le cœur. Ils te font ramener Dakota ici. Et moi, je pourrais lui faire dire où il a caché cette maudite sacoche. Et surtout, plus de pitié! Ne me le laisse plus échapper, comme tu le fais si souvent. Vous auriez dû me le laisser tuer dès la première fois. Et alors, nous n'aurions pas eu d'ennui. Alvarez, désormais, le terrain est dangereux. Et notre prochaine affaire sera pour toi et moi la dernière. Puis, gagnant ou perdant, ce sera tout. Il reste peu de temps. Il faudra donc se dépêcher. Avec Dakota aux environs, chaque minute de notre vie est menacée, c'est sûr. Accole une quinzaine ou le plus d'hommes que tu peux et tiens-toi prêt à agir. Adios. Thank you.
chef. José. Salut. Salut, José. Salut. Salut. Tu viens? Non. Ouais, viens. Tu veux boire quelque chose, chef? Ouais. Tiens. Alors, les amis, notre action a été prévue pour demain à l'aube. À la minute où Donovan nous donnera le signal, nous partirons sur l'heure à Santa Cruz. Quiconque essaiera de nous arrêter sera abattu sans pitié. Écoutez tous, je vous demande de m'écouter. À partir de demain, il faudra que nous gardions les yeux ouverts. Désormais, tous les shérifs de cette région connaissent la cachette et sont sur le qui-vive. Lorsque nous aurons terminé l'attaque de la banque, ils pourraient déclencher une poursuite. Mais je sais comment leur échapper. Une fois le coup terminé, nous nous disperserons et... Et nous nous retrouverons à la frontière dans une quinzaine de jours. Et surtout qu'aucun de vous ne se fasse remarquer. Nous sommes bien d'accord? Oui, oui. Et pour la répartition de l'or? Eh bien, lorsque tout se sera apaisé. Et quant à ce Dakota, on s'occupera de sa peau après avec ardeur. Vous voulez savoir autre chose? Comment faire pour vivre, alors? Tu t'en arrangeras. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à demander encore? Bien. Alors, nous allons partir. En avant! En avant! Viens! Allez! Bonjour. Vous êtes ponctuel, juste à l'ouverture. 50 000 dollars. Combien vous avez dit? C'est une opération très importante. Certainement. C'est une des plus riches et des plus sûres. En quoi puis-je essayer de vous être utile, monsieur Donovan? Je désirerais simplement que vous ouvriez la salle des coffres. Je pense que c'est un canular, monsieur. Je vous conseille de nous obéir. Et vite. Thank you.
À vous, le respectable directeur de banque. Je fais tous mes compliments sincères. Maintenant, prenez un cadavre et portez-le dehors. Attendez un moment. Le chapeau, sir. Sors, Donovan! Ton complice est mort! Shérif! Aide-moi à sortir d'ici! Tu dois m'aider à quitter la ville! Ou au premier faux pas, je ne donne pas une seconde à Jeanne! Réponds! Tu sais que je ne plaisante pas! Shérif! Pose à terre les armes! Tu peux sortir, Donovan. Toi, va chercher la voiture. Je conseillerai à tous de ne pas bouger. Ma chère Jeanne, tu m'accompagnes ou je te tue. Monte. Arrive par ici, Dakota. Dépêche-toi.
Dakota, cette fois, tu vas retrouver le jeune Slim. Dakota, cette étoile t'appartient. Et maintenant, tu peux rentrer à Tombstone. Adieu. Au revoir.